Les gilets jaunes 600. Alors, pas n'importe quel gilet jaune. Les gilets jaunes canal historique. Ah, les oui, véritables, les vrais. Ceux qui ne se mélangent pas avec les partis politiques, avec les syndicats, avec toutes sortes de collectifs. Les vrais gilets jaunes. Ah ben, je suis bien contente. Pardon? Je suis contente de l'entendre. Oui, oui, absolument. Ah, moi, j'aime pas quand ils mêlent toute la politique, là, j'aime pas ça du tout. Ah non, on est des vrais gilets jaunes, on est neutre politiquement. On fait de la politique contre Macron, mais on ne fait pas entrer les partis politiques français, droite ou gauche, dans notre mouvement. C'est ça qui l'a détruit, d'ailleurs. Ça a beaucoup été détruit par la gauche qui s'est infiltrée là-dedans, les syndicats et autres. Et chacun a voulu manger un petit peu du casse-croûte, ils ont tout détruit. Voilà. Non, nous on est des gilets jaunes purs et durs. Même si on n'est pas nombreux, on est des vrais gilets jaunes. D'ailleurs, on met le gilet jaune pour commencer. Et la casquette aussi? Oui, la casquette. Oh, la belle casquette. D'habitude, j'ai même les baskets, mais je ne les ai pas mises aujourd'hui. Ah, okay. On a tout. Mais c'est même super jaune, hein? J'ai tout. Hein? J'ai l'éventail pour l'été. Vous voyez la vie en jaune? J'ai la montre. Je vois la vie la en vie jaune. En jaune. Voilà. Oh, puis en plus, vous êtes de bonne humeur. Ouais. En tout cas, on est quelle date? On est le 16 novembre 2024. C'est le 6e anniversaire du mouvement aujourd'hui, la 16, création. Ouais. On le fait aujourd'hui. Le 17 novembre 2018, voilà. C'était le premier, c'était le début du mouvement des gilets jaunes. Oui, tout à fait. En tout cas, félicitations d'être tenace. Oui. Alors, on n'a jamais arrêté, nous. Hein. Quand les médias mainstream disent les gilets jaunes vont peut-être repartir ou vont redémarrer, mais c'est des menteurs. On n'a jamais arrêté. On était peu nombreux, mais on a toujours continué. Ils n'ont pas fait leur boulot. Ils n'ont pas informé la population. Ils ont triché, ils ont désinformé le pays. On a toujours été sur le terrain. 200, 300, 400, 50. Oh, non, plus on a... aussi, oui, hein. Non, mais plus, parle... plus que plus, non, même, ça a déjà monté beaucoup très haut. On a toujours été sur le circuit. On n'a jamais arrêté. Donc, on ne repart pas, on continue. C'est pas pareil. En ce côté, c'est les médias qui vont peut-être tenir, repartir. Hein. Merci bien. Voilà. Je vous félicite. C'est quoi déjà votre nom, vous? Dan. Dan, D-A-N, Dan? Oui, Lodi, L-O-D-I. Dan, comme dans Danemark. Voilà. Tiens, regarde, si tu veux me trouver sur Facebook, oui, tu cherches Gilet jaune, canal historique, et tu as le drapeau comme ça. Tu as okay, l'emblème comme ça. Regarde. Super. Alors, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Attends, ne bouge pas, je passe devant. Viens ici, toi. Hop, ça le met. Alors, faut ça, que je vous écoute quand même. Ça veut dire. Le rond, c'est les ronds-points en France. Ah, ok, les ronds-points. Au milieu, c'est la route de la liberté. Et G et J, gilet jaune, c'est pas compliqué comme sigle. Ah, ok, ben c'est bien, parce que moi, je ne savais pas ce que ça représentait. Voilà, ben tu me trouves sur Gilet jaune canal historique sur Facebook. D'accord. Et puis voilà. Oh, et puis tu pourras m'envoyer ta vidéo. Ah, regardez, ben, je vais le mettre, hein, je vais le mettre sur Internet. Lui, ça, c'est très, très beau. Lui, hein. Écoute, 09, Ariège, ok. C'est le département 9. Oui. C'est ça, ok. Voilà. Mais je suis un betteravier, je ne suis pas de l'Ardèche. Hein. C'est un marchand de betteraves. Betteravier. En tout cas, merci de nous faire, voilà, une belle journée. Oui. Hein. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.